That man, il a trouvé sa femme. Alors j'ai versé la salive dans le repas. And I spoke on the food. Sa femme voulait manger sauce arachide. And when his wife wanted to eat le pain, il voulait manger sauce et gagna. Even the man, what he wanted to eat, je parlais sur la sauce. I spoke on the sauce. C'est comme ça. Avant le monsieur, il s'est tombé des champs. Vous comprenez comment, non? This material. Il dit à sa femme, il vient dans la douche. Il s'est trompé. The monk is out in the douche. Il est chez la servante. Having sexual intercourse with the housewife, the servant. Elle a déjà subi deux fois le monsieur là-bas. Non, c'était un problème. They were even surprised two times in the bedroom of the servant. Zadi, mais le voici. Mais Zadi, chez la servante. C'est tombé des portes. Le vrai problème, quand il a dormi avec sa femme, la femme a beau le toucher, elle va le caresser zéro d'allure. And whenever his wife can touch him, he cannot react. Il monte corte, il descend, il court corte, il monte. He could not react. Il passe, il saute. Every time, you put it up, it starts by itself. No reaction. Zero. 5 piments rouges. Puis il 18. Bam! Zero. Nothing. Ça dit rien. Nothing. Mais quand il voit la servante, il est chaud. Where? C'est la servante qui est chaud. Is the servant, the housewife? La fille commence à expliquer. It's full of life. Expliquer. Comment elle a détruit. And she started explaining. Elle a rendu le monsieur esclave. Effectivement, la femme. The man became a slave. Le monsieur était prêt à chasser la femme de son foyer. And the man was about to chase away. La femme parle trop. His wife. Après le monsieur quand il vient, c'est la servante d'abord. When the man came, la femme a compris. His first reaction quand la femme was the housewife. Deux fois elle a subi sur la servante. C'est un foyer, n'est-ce pas? Il y avait un problème interne. Elle a appelé, il ne savait pas. Il a appelé sa femme. C'est le jour là. Sa femme va apprendre que ah, le problème maintenant c'est ça. And one day, his wife, le monsieur est étrange. Elle dit, tu es mon mari. Learn the story. Et puis, tu es mon mari, je ne te laisse pas. L'esprit pleut. Non, tu es mon mari. The housewife came near the house. On est marié. That we are married. Et elle poussait le monsieur. Chasing the man all around the house. Il fallait avoir le don de discernement. Amen. Amen. Je commandais à l'esprit. I commanded the spirit. De libérer le corps. To release et the body. Ça a mis 2 heures du temps le combat. And it spent 2 hours. Par là, coup d'épreuve. Un coup d'épreuve. Donc il y a eu 2 hours. J'étais là. Après, délivrer la soeur. Delivering the sister. 2 hours. Et bam. L'esprit est parti. And then, elle est venue et went out. Ça a attaqué le monsieur. Je me suis adressé au monsieur, au démon. Je dis, toi, c'est pas toi que je m'adresse, le monde. Parfait, le monsieur est tombé. And when speaking to the man, les démons, oui, le monsieur est tombé, the devil, and it's like the devil, that he brought in the man's body, c'est and after the housewife, ça c'est l'air comme chien. The man started falling down. On est chien, ça c'est l'air. Elle est possédée, tu vas comprendre. C'est toi qui fais le sucre. And I killed the demons. Le démon s'est manifesté. Et c'est à partir de lui. Demonstrating. C'est à partir de lui que le démon t'appelle. Ça veut dire le monsieur. Sa main était sur la partie. Il t'appelle pas. Pas. And the hand of the man was on the intimate part of the lady. Il est dans. Mais quand le démon passait, partait le monsieur. Il revenait sur lui. But when the devil was showing the arrow, il a défait sur lui. The man urinated. C'est pas béni de moi, hein? On his way. La fille, le monsieur,
The young lady, the servant, the man, and the woman of the man. Since that man had too much money, it's the servant who is going to give the money for it. His own wife, nothing to do. Maybe il trouve que c'est la servante qui doit garder l'argent. For him, the servant was the right person. C'était le moment donné. He could give even 5 million. Ça peut rien. On est dans une cacassière. But the wife, she did not represent him. Elle dit, j'ai fait tout. Je vais au salon, je me maquille. And the wife said, I used to do everything I can. Je marche devant lui. Zero. But nothing. C'est quand j'ai fait la même image. It was even insulting. On dit Kakawa. Il a commencé à choquer sa femme. Quand elle parlait, pleurait. Il a attrapé dans ses bras et dit, c'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. And after the deliverance, he started realizing that he loved very much his wife. Je lui ai dit, faut pas la négliger. And I told him that don't neglect your wife. Le mois qui a suivi, là, c'était la femme. The next month, the following month, the woman became pregnant. Amen. Amen. Parce que j'ai eu l'esprit, le don de discernement. C'est l'important du Saint-Esprit. Because he received. Vous avez un problème de foyer, je voulais régler ce problème. A problem of couple, vous pouvez essayer de régler. Monsieur homme de Dieu, faut pas parler mal à ton mari, hein. And I cannot say, I'm a man of God, don't say God to your husband or your wife. Ça veut dire quoi ça? Faut me lever des amants des bouches. Hein? Démon. Le démon. Il faut connaître l'origine du problème. Tout est le problème. You have to know. You have to know. Il nous faut you have to master the origin of problems. But when you have the origin, God gives us the capacity to demonstrate our power. Amen. Amen. Moi, quand quelqu'un face de moi, quand quelqu'un vient, when someone is in face, j'active in my face, j'active le don. I have to activate my spiritual power. Paf, j'active le don. Comment ça? I try to activate it. I open my mind. Qu'est-ce que la personne est venue faire? Qu'est-ce que what does this person has come to do in my house? And what will happen tomorrow? I try to ask questions to myself. Il peut nous donner ce don. Il peut nous équiper. That's what the Holy Spirit can give us. On a l'impression que l'Église est faible. Parce que on a l'impression que the church today is weak. Oh, Jésus-Christ n'a pas fait prêcher, il a manifesté la puissance de Dieu. And we know that in the past Jesus demonstrated the power of God. Do you follow me? Amen. Amen. Alleluia. Vous devez avoir le Saint-Esprit. You must have the Holy Spirit. Le power of the Holy Spirit. The one who is wooing you. Il n'est pas when you have the Holy Spirit, you can say, you can know if he is a bad or a good person. Quel est ton nom? Tu es venu à la gloire, tu sais avec qui il est, tu le suis. Il prend ta petite chose qui était sur toi là, il va manger ça à Guinée. Et rien qu'aux toi, le Saint-Esprit ne convainc pas. The Holy Spirit might convince you. C'est un problème. Quand vous devez apprendre, if you work with someone, il faut que le Saint-Esprit vous aide. The Holy Spirit doesn't convince you. Amen. It means that you have c'est comme ça. C'est comme ça dans mes relations. Quand je commence une affaire, je dis, si ce n'est pas de toi, parce que j'ai l'enseignement que j'essaie de repérer dans les relations avec une personne, je dis, si ça ne vient pas de toi, pour ça. Et puis je dis, on va quand même faire, voilà. Je trouve ça bizarre. Amen. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, the Holy Spirit might speak to you. Amen. Amen. En 2009, lorsqu'on avait notre cabinet, in 2009, à Abidjan, when we have our le président service, grand cabinet, Abidjan, tout le monde venait de partout, le consultant, every people came from everywhere, démonté un roseau de là, to come and consult it, il y avait Kachola, elle peut venir les servantes, mais tous ces servantes étaient des sorciers, and I discovered the woman coming from Kachola, et la plupart des servantes, when that woman et cette personne came with some servants, all the servants were sorcerers.
Vous avez quelqu'un chez vous à la maison, vous savez pas qui vient, ça vous dit rien. You live with someone in your house, you don't know who this person is. Vous dit même pas. Oh, le Saint-Esprit parle. But the Holy Spirit must be. L'Esprit de Dieu descend. The Spirit of God. Il habite en toi. Amen. Il habite en toi. And lives in you. Il doit te parler. And speak to you. Vous dites le méchant qui marche pas bon. And see that the man you are working with is not a true man. Please stop this relation. Il va te parler mais de ton avenir. The Holy Spirit must speak about your future. Vous devez parler au Saint-Esprit pour parler à une personne, c'est possible. You must speak to the Holy Spirit like you speak to someone else. Après je commence à me lamenter. When I started speaking, je m'assois. And I ask questions to myself. Je me mets là, je me concentre, je dis Saint-Esprit. And I say, the Holy Spirit, je veux t'entendre parler. I want to hear you speaking. Oh, c'est terrible. Oh, je vais commencer à voir. Un tableau va commencer. And I started having the Holy Spirit. When the Holy Spirit started speaking to me, I'm not surprised. Amen. Amen. Il faut que tu sois béni. Amen. You must be blessed. Say amen. Alléluia. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. You must be filled with the Holy Spirit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. You must be filled with the Holy Spirit. Nous allons parler des dons spirituels. We are going to speak about the dons spirituels. Tu as spiritual. Tu as parlé des dons spirituels. This church must have spiritual power. Nous sommes l'Église de Dieu vivant. We are the church parce of the alive God. Parce que l'Église de Dieu vivant. Of the God who is alive. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. On poursuit la lecture. We keep on with the reading. Il y a neuf dons, nous allons parler des neuf dons spirituels. Des neuf dons spirituels et des manifestations. Neuf dons. Nine spiritual. Neuf dons spirituels. And the demonstration. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Do we follow? Vous dormez? Il faut que Dieu te bénisse. Amen. Amen. You say amen. On y va. On prend le verset 7. The verse 7. De 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Verse 7. Oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité de lui. Vous comprenez? Oh, à chacun, c'est-à-dire chaque homme, enfant de Dieu, doit avoir un don pour édifier l'Église. Every child of God must have the spiritual power to glorify. Le Bible says, la Bible dit is given so that we can glorify the church of God. When you don't have the Holy Spirit of God, you must be sad. Tu as un problème à l'ambassade? You have the problem with your embassy? And the Holy Spirit doesn't tell you something. You have a business to do. And you are not enlightened by the Holy Spirit. It means that you have a problem. You have been disconnected. You have been disconnected from the Holy Spirit. We say amen. How do we follow? On est fait. Alain est donné par l'esprit une parole de sagesse. En effet, Alain est donné une parole de sagesse. Allons-y. À un autre, une parole de connaissance. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit, expliquez un peu. Allons-y. À un autre, à la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des dons. À un autre, l'interprétation des dons. Un seul et même esprit opère toutes les choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. 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 We have nine spiritual powers. We just come to give. Amen. Amen. J'ai constaté quelque chose. I noticed something. Chaque deux semaines, every 2 weeks, ma manière de parler en langue change. My way of speaking in other languages. Ma manière de parler en langue change. It changes. C'est vraiment important d'aimer les choses spirituelles. It's really important to love spiritual things. Il y a une dimension dans laquelle si vous rentrez, we have a dimension in which when you enter, les anges sont bénis dans vos champs. The angels
must come down in your room. Amen. Amen. And the Holy Spirit can permit you and allow you to speak with the angels. The Holy Spirit will guide the angels on you. I must have a sound spirit to understand my language. For example, in Morocco, in the Bougon Street, in Morocco, and when you see two Arabic people speaking in Bougon, and you'll be surprised, of course, you'll be surprised. Tico. Two Arabic people speaking Dida. Tico. Tico, c'est bon, non? Ça va, je vous comment ça, je vous là-bas. Hein? Tico. Ça va, je vous là-bas. Italien. Tico, italien. Arabe. Ça va, il y a quelque chose? Italien, non, écoute. Toi, bien dit. You won't believe. Mais tu n'es pas signé. C'est comme ça. Il y a des dimensions. Quand tu as commencé à entrer dans le domaine de parler en langue, we have too many dimensions. Parler en langue des anges, l'ange obligé de venir dans ta chambre parce que vous avez le même langage. When you start speaking in other languages, the angels will give you the opportunity Amen. To work with others. Mais tout ça se résume à une vie de consécration. On ne peut pas entrer dans une dimension de la puissance de Dieu. We cannot enter the dimension of power. Si on appelle une vie de prière. If we don't have the prayer of life, si on n'a pas une vie de consécration, if we don't have the life prayer, il faut passer des nuits, we must pray nights and nights praying God. Amen. Amen. Les dons spirituels, the spiritual powers, et les manifestations, and their demonstrations. Nous allons parler des dons spirituels. We are going to speak about nine spiritual powers. What time is it? Oui. Amen. Nous allons venir debout. We are going to stand up. Je vais pousser l'enseignement le dimanche prochain. And we are going to keep on next Sunday. Je vais démarrer l'enseignement. I'm going to start early next week. C'est un peu tard. As you know, it's too late. Amen. 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 Ce que nous devons retenir. What we must keep in mind is that. C'est que Dieu aimerait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. God would like us to be filled with the Holy Spirit. Alors, si nous sommes remplis du Saint-Esprit. And then if we are filled with the Holy Spirit, we have to demonstrate the power of God. Amen. Amen. When I will be starting explaining you the nine spiritual powers, Amen. You'll be helped. You need them. You need the power of God. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois rempli de la puissance de Dieu. You must be filled with the power of God. Il faut que tu aies la capacité de guérir les malades. God must give you the ability to cure sick people. Ce don pour lui est un miracle. And then operate miracles. Le don de discernement des esprits. And then try to see things clearly. Amen. Amen. On dit Amen. We say Amen. Donc, allez chez toi à la maison, Dieu te dit déjà, voici le nom. You are going home right voici now. Le nom de personne. The Lord is guiding you. Mais qu'est-ce que c'est? This is the number of people who are in your house. Il faut que vous arriviez à cette dimension. Amen. You must reach this dimension. Amen. Amen. Je m'en vais à Abidjan. I'm going to Abidjan. Mais ce que dit, ce n'est pas le moment. The Holy Spirit can tell you that is not the moment. Il faut que nous rentrons dans cette dimension. We must enter this dimension. Nous sommes tous témoins de Jésus. We are all witnesses of Jesus. Nous devons manifester la puissance. We must demonstrate the power of Jesus. Amen. We say Amen. Nous levons tous la main. We all raise our hands up. Et nous allons prier. And we are going to pray. Et demander au Saint-Esprit. And ask the Holy Spirit. De descendre sur nous ce matin. To come on us this morning. Tu vas prier le Seigneur ce matin. You are going to pray. Et demander la manifestation. And ask the demonstration of the Holy Spirit. La manifestation de sa puissance. The demonstration of His power. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'habiter ce matin. And ask the Holy Spirit to come to live on you this morning. Et de te bénir ce matin. And bless you this morning. Il est tellement plaisant. Le Saint-Esprit est présent. The Holy Spirit is present. Il aimerait te bénir ce matin. Like, God bless you. Hey, come in. Le Saint-Esprit est présent ce matin. The Holy Spirit is present this morning. Il veut te bénir. And bless you. Nous commençons à prier. Ouvre la bouche. We start. Ouvre la bouche.
Prions, 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 prions. Stop praying. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Open your mouth and start praying. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Open your mouth and start praying. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Devant le Saint-Esprit de te bénir. Of the Holy Spirit to bless you. Ouvrons la bouche, nous prions le Seigneur. Open your mouth and pray the Lord. Nous prions le Seigneur. Oh, pray the Lord. Je ne sens pas prier. I don't feel afraid. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Pray, pray. Je demande à tout le monde de prier. I call all the people to pray. Nous prions le Seigneur. Ouvre la bouche, demande au Saint-Esprit de nous bénir. Nous demandons au Saint-Esprit de nous bénir ce matin. And ask the Holy Spirit to bless us this morning. The Holy Spirit to bless us. Le Saint-Esprit de te bénir ce matin. The Holy Spirit to bless us. Demande au Saint-Esprit de te bénir. The Holy Spirit to bless us. Et répand son esprit sur ma vie. And this praying is Holy Spirit for us. Le Saint-Esprit de te bénir ce matin. Ask the Holy Spirit to bless you this morning. Le Saint-Esprit de te bénir. Blessing from the Holy Spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Demande au Saint-Esprit de te bénir ce matin. Blessing from the Holy Spirit. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. God visit you. Receive the power of Jesus. The Holy Spirit is blessing from the Holy Spirit. The power of God. Il te visite ce matin, la puissance de Dieu. Elle te visite la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of the Holy Spirit. La puissance de Dieu. Receive the power of the Holy Spirit. Receive. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Receive the power of the Holy Spirit. Dieu te bénit ce matin. The Holy Spirit is doing good this morning. Ce matin. The Holy Spirit is doing good this morning. Ce matin. The Holy Spirit doing good this morning. Il est venu bien ce matin. Doing good this morning. Reçois, receive. The Holy Spirit. And I communicate the power of God. Go, reçois, receive. Receive. Reçois, receive. Reçois, receive. Reçois, receive. Reçois, receive. L'Esprit de Dieu vient jusqu'à toi. The Holy Spirit is in you. L'Esprit de Dieu te quitte maintenant. The Holy Spirit got you. L'Esprit de Dieu te quitte. The Holy Spirit got you. Nous sommes l'église de Dieu. We are the church of God. Et Dieu nous équipe ce matin. And God is equipping us. Je t'ouvre un joie spirituel. And the people of God are spiritual. Open your eyes, spiritual ears. Maintenant même. Open your eyes, spiritual ears. Il te donne le don de vision, la capacité de voir les choses que les gens n'arrivent pas à voir. Quelque chose de fort. This morning, ce matin, this morning, la puissance de Dieu, the power of God, 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 et bénis ce matin, bless you this morning, le Saint-Esprit de bénir, the Holy Spirit de bénir this morning, le Saint-Esprit de bénir, the Holy Spirit de bénir this morning, recevez la puissance, receive the power of God, recevez la puissance de Dieu, receive the power of God, recevez la puissance de Dieu, receive the power of God, receive the power of God, recevez la puissance de Dieu, receive the power of God. Receive the power of God. God, I command. God, I go. God, I command. God, I command. God, God. Receive.
Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of God. Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of God. Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of God. Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of God. Recevez la puissance. Receive the power of the Holy Spirit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Receive the power of the Holy Spirit. Je commande aux esprits de lâcher vos corps. I command the Spirit to leave, to release your life. Je commande aux esprits. I command the Spirit. Go! I go! Go! I command! Fire! 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 The Spirit of God on you. The Spirit of God visits you now. The power of God do you good this morning. The power of God do you good. The power of God do you good. The power of God. The power of God. The power of God. The power of God. La main de Dieu. Oh, the glory of God. I command. Je commande. The Spirit. Je commande. I command. Je commande. I command. Oh, la puissance de Jésus. The power of Jesus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. The power of Jesus. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de the power of Jesus. The power of Jesus. The power of Jesus. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de the power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. Recevez la puissance. Receive the power of God. La main de Jésus te délivre. In the name of Jesus. La main te délivre maintenant. And delivers you now. La main te délivre maintenant. Sa main te délivre maintenant. His hand delivers you now. Sa main se délivre maintenant. His hand delivering you now. Sa main te délivre maintenant. His hand delivering you now. Sa main te délivre maintenant. His hand delivering you now. Recevez. Receive. La délivrance. The deliverance. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
The name of Jesus. Name of Jesus. The name of Jesus. Come here! Hey, come here! Come here! Hey, come here! Come here! Hey, come here! Recevez la puissance de Dieu. Receive the power of God. Receive the power of God. À vous de recevoir le Saint-Esprit. Whatever you stand, the Holy Spirit, à vous de recevoir. It's visiting you. L'Esprit de Dieu vous visite maintenant. The Holy Spirit is visiting you. Levez tous les mains. Raise up your hands. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Receive the power of God. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Receive the power of God. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Receive the power of God. Reçois toi. Receive. Et reçois la puissance de Dieu. Receive the power. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Receive the power of God. Recevez l'onction de Dieu. Receive the power of God. Reçois. Receive. Quelque chose se passe dans ta vie. Something is happening in your life. The Spirit is in you. Maintenant. The Spirit is in you. Rempli maintenant. The Spirit is in you now. Rempli maintenant. The Spirit is in you now. Reçois. Dieu encore n'est pas une armée. Amen. Building an army. Donc, il fait an army you believe to. Reçois le don de vision. Receive. Reçois le don de vision. Reçois. Receive. 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 Come on. I come in. Come on. I come in. Come on. I come in. Allez. Recevez. Receive. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Recevez. Receive. Recevez. Receive. In the name of Jesus. Recevez. Receive. Je ouvre. Je ouvre. Your spiritual eyes. Receive.